Ce film traite des conséquences des plantations de palmiers à huile sur les communautés. L'information contenue dans ce film vise à aider les communautés à prendre des décisions pour leur avenir. Dans les régions où les terres n'ont pas encore été cédées à la compagnie, il faut mieux que nous réfléchissions et que nous calculions les avantages et les inconvénients de renoncer à nos terres au bénéfice de la compagnie de palmiers à huile. Les plantations de palmiers à huile produisent des régimes de fruits frais qui sont transportés dans des moulins pour être pressés et en extraire l'huile de palme. Cette huile appelée huile de palme brute est expédiée à travers le monde vers des usines de transformation. L'huile de palme sert de matière première à beaucoup de produits. Ces produits sont consommés principalement dans les pays du Nord, la Chine et l'Inde. Les dérivés d'huile de palme sont utilisés dans les aliments industriels et dans beaucoup d'autres produits non alimentaires, considérés comme d'usage quotidien dans les pays consommateurs, comme des shampoings, des détergents, etc. Avec la récente augmentation des prix du pétrole, l'huile de palme est aussi de plus en plus vendue en tant qu'agrocarburant pour le transport et pour alimenter les centrales électriques. 80% des plantations d'huile de palme du monde se trouvent en Indonésie et en Malaisie. L'Indonésie, à elle seule, possède 9 millions d'hectares de plantations. Avec une demande aussi forte, la surface dédiée aux palmiers à huile s'étend rapidement. Presque toutes les provinces d'Indonésie ont été touchées par la fièvre des palmiers à huile. Le gouvernement central et presque tous les gouvernements locaux prévoient d'établir des plantations de palmiers à huile pour satisfaire la demande d'huile de palme sur le marché international. L'Indonésie veut devenir le premier exportateur d'huile de palme au monde. Pour continuer à gagner du terrain, l'industrie de l'huile de palme a besoin de plus en plus de terres. Beaucoup de communautés vivent sur des terres convenant à l'expansion des plantations. Les fonctionnaires du gouvernement local et des compagnies forestières qui ont des intérêts financiers dans le développement des plantations veulent convaincre les communautés de céder leurs terres. Les plantations sont souvent présentées comme la voie du développement rural et du bien-être de la communauté. Cependant, les plantations de palmiers à huile ont aussi été associées à la déforestation, à l'extinction des espèces, aux inondations et aux incendies de forêt. D'après beaucoup d'observateurs, les palmiers à huile sont aussi la source de problèmes sociaux et économiques. Ce film a été réalisé avec la collaboration de 20 villages des îles indonésiennes, principalement situés dans des régions de palmiers à huile. Les membres de ces communautés décrivent les conséquences des plantations de palmiers à huile sur l'économie locale, les systèmes agricoles, l'eau, leur culture et leur savoir traditionnel, et leurs droits de propriété sur la terre. Ils donnent également des recommandations et des messages d'espoir à propos du développement de leur communauté. L'objet de ce film est de donner aux communautés vivant dans les zones d'expansion plus d'informations sur les plantations de palmiers à huile. Prenez le temps de le regarder. Tenez plusieurs réunions de village. Assurez-vous que chacun ait la possibilité de prendre la parole. La décision de céder vos terres à la compagnie forestière ou de rejeter les plantations de palmiers à huile est la décision la plus importante qui soit pour votre famille et pour les générations futures. «
Si une compagnie demande à une communauté de lui céder ses terres pour installer une plantation, il est important de décider si la communauté en sortira économiquement meilleure ou économiquement pire. Si tu rejoins la plantation de palmiers à huile, tu vivras heureux et confortablement. Au lieu de fumer des cigarettes bon marché, tu pourras fumer des cigarettes plus chères. Tu pourras boire du Coca-Cola au lieu de l'eau. Tes enfants pourront aller étudier aux États-Unis. Ça, c'est le genre de promesses qu'ils font pour attirer ceux qui ne comprennent pas la vérité sur les plantations de palmiers à huile. Ce chapitre porte sur la façon dont les plantations de palmiers à huile affectent l'économie des communautés locales. L'une des stratégies qu'utilisent les compagnies pour attirer les communautés est celle de promettre des parcelles aux paysans. Les communautés doivent céder leurs terres à la compagnie et en échange, elles reçoivent une petite parcelle de terre plantée de palmiers à huile. La compagnie couvre les coûts initiaux de la mise en place des parcelles, mais ensuite, les agriculteurs doivent rembourser ces coûts. Mon expérience d'agriculteur possédant une petite parcelle de palmiers à huile a été la suivante. On m'a dit que le montant de ma dette envers la compagnie s'élevait à 5 400 $ que je devais rembourser sur 10 ans. Après un an d'activité, le plus haut revenu mensuel que j'avais réussi à gagner était de 13 $ par mois après déduction de mes mensualités de paiement. Je dois payer les engrais, la maintenance, le transport, etc. Dans notre cas, ce qui s'est vraiment passé, c'est quand quelqu'un cède 10 hectares de terre à la compagnie, il reçoit 1 hectare dans le cadre d'un projet pour les petits propriétaires qu'il doit rembourser avec un prêt bancaire comme une dette. Finalement, il ne lui reste plus rien. Donne 10 hectares de tes terres, reçois-en un et en plus, achète-le. Il y a certains avantages à travailler avec les palmiers à huile, mais beaucoup plus d'inconvénients. Les avantages, c'est surtout au début, parce que l'une des bonnes choses des palmiers à huile, c'est que si on s'en occupe correctement, on peut faire une récolte tous les mois. Mais le problème, c'est que même après avoir remboursé nos dettes, on est encore employé de quelqu'un. Il n'est pas vrai que les palmiers à huile nous appartiennent. C'est pourquoi je dis qu'il y a quelques bons et beaucoup de mauvaises choses par rapport aux palmiers à huile. Dans la plupart des cas, les membres des communautés reçoivent une parcelle de 2 hectares de la compagnie. Cette surface rend-elle les gens prospères? Avant, on pouvait envoyer nos enfants à l'école, mais à présent c'est difficile, on ne peut plus. Oui, nous sommes propriétaires, mais nous ne possédons pas grand-chose, juste une parcelle. Nous gagnons à peine de quoi nous nourrir. Si nous avions 5 ou 6 parcelles, nous pourrions envoyer nos enfants à l'école. Mais pour nous qui ne possédons qu'une parcelle, c'est impossible. Les palmiers à huile ont rendu nos vies très difficiles. À mon avis et en me basant sur ma propre expérience, je pense que 2 hectares, ce n'est pas assez. Si vous voulez planter 2 hectares seulement, il sera mieux conseillé de ne pas le faire. Un autre problème est que la terre, pour les petits propriétaires, est souvent éloignée de la route et de l'usine. L'impact économique de tout cela est clairement négatif. La terre que la compagnie m'a attribuée pour ma parcelle de palmiers à huile est tellement éloignée de mon village que j'ai beaucoup de mal à l'entretenir. Et ma parcelle est très éloignée de la route. Donc cela rend très difficile le transport des fruits récoltés où que ce soit. Le système de petits propriétaires pose clairement des difficultés. Les cultivateurs reçoivent de petites parcelles plantées de palmiers à huile sur des terres marginales et doivent des sommes importantes sur ce qui était au départ leur propre terre. Certaines personnes s'intéressent aux plantations de palmiers à huile à cause des opportunités de travail. La compagnie a promis de créer de l'emploi. Mais ce que nous avons observé, c'est que les seules étapes qui nécessitent une main-d'œuvre importante sont la culture des semis et leur plantation.
Il est inutile de chercher un emploi quelconque dans l'agriculture, la récolte du caoutchouc ou n'importe quel autre travail. C'est ce que la compagnie nous a promis, une promesse. Mais 3 ou 4 ans plus tard, ils ont commencé à diminuer le nombre d'emplois dans la compagnie. Lorsque les compagnies promettent qu'en installant une palmeraie, elles créeront de l'emploi, il ne faut pas leur faire trop confiance. Parce qu'une fois que les palmiers à huile ont atteint une certaine taille, la compagnie a besoin de très peu de main-d'œuvre. La sécurité de l'emploi sur les plantations ne doit pas être prise pour argent comptant. Si vous décrochez effectivement un emploi, vous en sortirez-vous mieux économiquement ? Bien que le salaire soit loin d'être suffisant, j'aime encore mon travail. Malgré le sentiment que j'y perds, les conditions ne sont pas justes. Je travaille de 6h à 7h du matin jusqu'à 5h du soir. Et tout ce que je gagne, c'est environ 32$ par mois. Les compagnies disent aux communautés qu'elles leur paieront une compensation pour les terres qu'elles ont cédées pour la plantation. Ils paient 36$ par hectare pour les terres vierges, 100$ par hectare pour les terres fertiles et 73$ par hectare pour les terres non fertiles. C'est ce que la compagnie nous a dit lors de notre réunion de village. En réalité, ces sommes versées ne sont pas une compensation, mais un paiement effectué par les compagnies. Ceci en échange du consentement des communautés à renoncer à toute revendication sur la terre à l'avenir. Il est important d'examiner si ce paiement vaut toute la production que cette terre pourrait rapporter aujourd'hui et dans le futur. Avec l'arrivée des palmiers à huile, les communautés vivent un changement économique important, puisqu'elles doivent payer pour des produits que la terre fournissait gratuitement. Cette communauté n'a pas de palmiers à huile. Ils ont dressé une liste de plus de 100 produits que leur terre leur fournit. Bois de chauffage, nourriture, matériaux de toiture, médicaments, produits d'artisanat et fruits. Si les palmiers à huile recouvraient les terres, nous devrions acheter la plupart de ces produits. Les plantations de ces palmiers à huile en monoculture ne produisent qu'une seule chose, l'huile de palme. Une fois dans la cité de la compagnie, on doit tout acheter. Quand je vivais avec ma famille, ça ne m'aurait jamais passé par la tête d'acheter des légumes. Nous cultivions tout nous-mêmes. C'était mieux. Si on vit sur le domaine de la compagnie, alors on doit tout acheter, les légumes et tout le reste. Quand arrivera-t-il à leurs petits-enfants? Il ne leur reste plus qu'un peu de terre. La forêt a disparu. Il n'y a nulle part où aller dans la forêt pour cueillir des plantes comestibles. Ils ont besoin d'argent pour tout. C'est ce que je vois et c'est pourquoi nous refusions l'installation d'une plantation de palmiers à huile dans notre région. C'est difficile de trouver des légumes ou du gibier sauvage de nos jours. Il n'y a plus du tout de forêt. Tout est devenu palmiers à huile. Il n'y a rien d'autre. Les palmiers à huile permettent le développement économique de quelques-uns, mais ils créent des difficultés économiques à beaucoup d'autres. Beaucoup de cultivateurs de palmiers à huile et d'ouvriers agricoles luttent avec des dettes, la précarité de l'emploi et de faibles revenus. Ces choses doivent être examinées soigneusement avant que la communauté ne prenne sa décision. Pendant des siècles, les petits agriculteurs indonésiens
ont nourri leur communauté et développé des systèmes d'exploitation agricole qui sont reconnus dans le monde entier parmi les plus favorables à la biodiversité et les plus durables. Donc passer de l'agriculture traditionnelle au palmier à huile implique d'énormes changements dans les systèmes d'exploitation. Les plantations de palmiers à huile sont des entreprises agricoles intensives qui demandent d'énormes ressources en technologie et en capital. Cela représente un changement radical pour les communautés locales qui sont habituées aux méthodes traditionnelles d'exploitation. Nous avons rencontré beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas réussi à gérer leurs parcelles de palmiers à huile. Les fruits récoltés ne se conservent que 24 heures avant de commencer à pourrir, ce qui constitue un grand changement pour les cultivateurs de palmiers à huile. Les fruits des palmiers à huile doivent être vendus dans les 24 heures qui suivent la récolte, sinon ils pourrissent. C'est très différent du caoutchouc qui peut être stocké pendant plusieurs mois. Les agriculteurs doivent rapidement vendre les fruits au moulin. En règle générale, il n'y a qu'un seul pressoir dans les environs. Donc l'agriculteur n'a que peu ou pas de pouvoir de négociation sur le prix. Il existe une autre différence importante. Les agriculteurs traditionnels utilisent rarement des engrais ou des pesticides. Mais dans les plantations de palmiers à huile, ceux-ci sont utilisés fréquemment. La qualité de l'huile de palme dépend vraiment de la façon dont on en prend soin. Si on ne lui donne pas d'engrais, automatiquement la récolte ne sera pas aussi bonne. Donc les engrais et les herbicides sont là pour augmenter la productivité. Beaucoup d'ouvriers agricoles se plaignent des conséquences de l'épandage d'herbicides et de pesticides sur leur santé. Quand nous pulvérisons des herbicides, des pesticides, si le vent tourne et que le poison entre dans les yeux, ça irrite les yeux. Souvent, on a une mauvaise toux, mais cette compagnie ne prend pas vraiment soin de notre santé. Je suis allé voir un médecin qui m'a dit que j'ai sans doute eu une intoxication. Il m'a dit que j'étais trop fatigué, que mon corps avait peut-être été empoisonné. Le médecin m'a demandé où je travaillais. Quand j'ai expliqué que je pulvérisais des herbicides et des pesticides sur la plantation de palmiers à huile, il m'a demandé si j'avais des vêtements de protection. J'ai dit non. Il m'a dit que je devais utiliser des protections et comme je ne le fais pas, mon corps est empoisonné et je devrais travailler moins. La nature même de la tâche change lorsque les palmiers à huile sont plantés. Des recherches récentes montrent que 80% des personnes travaillent plus une fois que la plantation est établie, alors que leurs revenus diminuent souvent. Le travail lié aux palmiers à huile est difficile, surtout pour les agriculteurs âgés. Pour un vieil homme comme moi, j'ai 50 ans maintenant. C'est très difficile de cueillir les fruits pour la récolte. Je ne peux plus le faire. Pour mes enfants et mes petits-enfants, il vaut mieux cultiver des EVA. Les EVA sont différents. Même quand on vieillit, on est toujours capable de récolter le caoutchouc. Avec les palmiers à huile, c'est difficile quand on a plus de 50 ans. Comment les gens trouvent-ils l'exploitation des palmiers à huile par rapport à d'autres types d'exploitation? On peut aller récolter les caoutchoucs tous les matins et vers 10 heures, on est tranquille et on retourne à la maison. L'après-midi, on peut aller au champ. Comparé au palmier à l'huile, c'est beaucoup plus facile. Dans le palmerin, on devient le serviteur des gens riches. Au début, la compagnie nous a dit qu'on travaillerait 7 heures par jour. Mais en fin de compte, on doit travailler jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif qu'ils fixent. Si on travaille pour la compagnie, lorsqu'on arrive à la maison, on n'a plus de temps pour rien. C'est pourquoi je préfère travailler dans un environnement libre et pas pour la compagnie. Accepter les palmiers à huile revient à accepter de grands changements dans les systèmes d'exploitation. Avoir moins de pouvoir de négociation,
augmenter les risques liés aux pesticides et aux herbicides et avoir moins de liberté dans l'organisation de la journée de travail. Nous avons besoin d'eau pour laver, pour boire, pour se déplacer et pour jouer. Sans eau, il n'y a pas de forêt, pas de riz, pas de vie. L'Indonésie est très bien approvisionnée en eau. Cependant, les communautés qui vivent sur les plantations de palmiers à huile ou dans les environs font souvent face à des pénuries d'eau. Dans le passé, quand il n'y avait pas de plantation de palmiers à huile ici, les fleuves étaient très profonds, mais aujourd'hui, il est peu profond. C'est difficile de trouver de l'eau de nos jours. Autrefois, c'était facile, mais ça devient très difficile de trouver de l'eau potable. Il faut aller au pied de la montagne pour trouver de l'eau potable. Dans le passé, quand il y avait encore de la forêt, après un ou deux mois de saison sèche, on trouvait encore beaucoup de ruisseaux. Mais maintenant, après un mois de saison sèche, les rivières sont toutes petites, elles sont déjà asséchées. La forêt est défrichée avec de la machinerie lourde. À cause de la terre compactée et de la perte de végétation, l'eau a plus de mal à être absorbée. Donc pendant la saison des pluies, les inondations sont inévitables. L'écoulement plus rapide de l'eau et le soleil qui sèche la terre défrichée font que les ruisseaux sèchent plus vite pendant la saison sèche. Creuser des canaux de drainage dessèche encore plus la terre et les fleuves. Dans les tourbières, cela signifie que le risque d'incendie augmente, comme les incendies qui ont eu lieu en Indonésie en 2006. Le fleuve, la forêt sont devenus comme ça, secs, à cause des tranchées de drainage creusées sur la palmeraie. Ils ont construit ces tranchées et détourné les rivières. Et après tous ces travaux, beaucoup de rivières disparaissent. En poussant, les palmiers à huile ont besoin d'énormes quantités d'eau. Cela conduit également à une baisse significative de l'eau dans les rivières locales. En plus de l'assèchement des rivières, les communautés subissent aussi les conséquences de la contamination de l'eau par les résidus des moulins. Certaines compagnies traitent leurs résidus conformément à la loi, mais la plupart les déversent dans les rivières. Avant, j'étais chargé de la gestion des eaux usées pour la compagnie. Donc j'avais vraiment aidé la compagnie à cette époque-là. Après tout, ils payaient mon salaire. Quand la saison des pluies commençait, le bassin de décantation se remplissait et je devais déverser les déchets dans la rivière. Je le faisais en pleine nuit pour que personne au village ne le sache. C'était ça mon boulot. Cette roche est couverte de déchets de l'usine d'huile de palme brute. Ça sent très mauvais, comme de l'excrément humain. Quelles sont les conséquences de la contamination de l'eau? Pada setiap hari musim hujan. Chaque jour, pendant la saison des pluies, les déchets sont déversés dans la rivière où ils tuent les poissons et d'autres animaux plus grands, comme les tortues d'eau douce. C'est ce qui arrive parce que l'usine d'huile de palme déverse ses eaux usées dans la rivière. Le problème avec ces déchets, c'est ce qu'ils tuent tous les poissons de la rivière dans un rayon d'environ 7 km. On ne peut même pas se baigner là-dedans. Si on le fait, on souffre de maladies de peau, d'ulcères et de démangeaisons. La rivière Siak était pleine de gens en train de pêcher. Un poisson pouvait coûter jusqu'à 30 dollars américains. Mais où sont passés les poissons à présent? Plus personne n'attrape de poissons. Les poissons sont partis.
La rivière ne ressemblait pas à ça avant. Les gens l'utilisaient pour se baigner, pour laver et pour boire. À présent, on ne peut plus utiliser l'eau parce qu'elle a été polluée par les déchets de l'usine d'huile de palme. Ça se passe depuis 10 ans et la compagnie n'a pas dit comment l'eau pourrait redevenir potable. La plupart des communautés pensent que les plantations affectent autant la qualité que la quantité de l'eau disponible dans les villages. La diversité biologique et culturelle de l'Indonésie est connue partout dans le monde. Les plantations de palmiers à huile peuvent avoir un impact important sur la culture, les coutumes et le savoir traditionnel. La diversité des plantes dans cette région a un impact direct sur les rites et coutumes locaux. Tant qu'on peut trouver les différents produits de la forêt utilisés dans les cérémonies traditionnelles, on peut respecter les coutumes culturelles et spirituelles. Si la forêt disparaît et qu'elle est remplacée par une plantation en monoculture, comme les palmiers à huile, alors automatiquement le mode de vie et les traditions des populations locales changent. Le passage aux monocultures de palmiers à huile peut entraîner différents types de changements culturels. Par exemple, les médecines traditionnelles sont devenues introuvables. C'était facile pour nous de trouver des racines dans la forêt pour en faire des médicaments traditionnels. Mais maintenant, c'est difficile. Il n'y en a plus. À présent, la forêt a disparu. Tout ça a disparu. On cultivait aussi toutes sortes de produits. Maintenant, c'est devenu impossible. Les racines des palmiers à huile sont partout. Rien ne pousse. Les matériaux pour l'artisanat se font rares. Tout ça vient du marché maintenant. Toutes ces teintures, ce ne sont pas les teintures végétales comme le tantarum ou le kerbal, parce que toutes ces plantes ont été abattues à cause des palmiers à huile. C'est pourquoi c'est très difficile pour nous. Ça devient plus difficile pour nous de les faire. Ce n'est pas le véritable artisanat naturel. Du temps de ma grand-mère, tout l'artisanat était naturel, pas comme ça. La perte de la forêt peut avoir des conséquences sur les langues locales. Si les communautés doivent abandonner l'agriculture sur brûlis, il y a beaucoup de mots, peut-être plusieurs centaines de mots, liés aux pratiques agricoles traditionnelles qui ne sont plus utilisées et vont finir par disparaître. Si ça se trouve, les termes étrangers liés aux plantations de palmiers à huile finiront par remplacer les mots traditionnels. Les guérisseurs n'utilisent plus les médecines traditionnelles. Les tisseuses ne tissent plus et les parents ne peuvent plus transmettre les mots de leur langue. Par conséquent, la génération suivante peut sombrer dans la pauvreté culturelle. Dans beaucoup de communautés, l'arrivée des plantations de palmiers à huile a entraîné la destruction des lieux sacrés, y compris les tombes des ancêtres. Nous avons expliqué à l'entreprise où se trouvaient les bosquets sacrés, où nos ancêtres étaient enterrés. C'est marqué par des arbres tankawang. Ils nous ont dit de marquer les arbres qu'il ne fallait pas abattre en faisant un cercle autour du sol. Donc c'est ce qu'on a fait. Le lendemain, tout était abattu. Il ne restait rien debout. C'est ça qui a entraîné ce conflit de nos revendications permanentes. C'est pour qu'on nous indemnise. Bien sûr que je suis triste. Comment ne pas l'être? Nos tombeaux étaient protégés par les grands arbres de la forêt. Mais à présent, il ne reste que des palmiers à huile. Tout à coup, tout a été détruit pour faire de la place aux palmiers à huile. Comment pourrait-on ne pas être triste? La culture locale est également modifiée par l'arrivée d'ouvriers et d'employés de la compagnie de palmiers à huile, ainsi que des transmigrants qui apportent tous une nouvelle culture et une nouvelle façon de penser. Akhir bulan bayar kepada petani.
Tous les mois, après la récolte, les compagnies mettent en place un marché de nuit. Et ça détériore et sape les valeurs morales de la communauté. Les gens reçoivent leur paye, remboursent quelques dettes et parfois s'endettent à nouveau. Et avec tout l'argent qu'ils dépensent pour boire et pour parier, ce sont les femmes qui finissent perdantes. Donc le problème avec les palmiers à huile, ce n'est pas seulement la question de la terre, mais aussi une question de perte des valeurs morales de la communauté. Une question de morale familiale. C'est une question que les communautés ont tendance à oublier. Les conséquences sur la culture locale sont une question importante pour les communautés intéressées par les plantations de palmiers à huile. Les plantations de palmiers à huile ont aussi des conséquences sur les droits à la terre et sur la question des conflits liés à la terre. Les entreprises de plantation ont besoin de grandes étendues de terre pour continuer à faire d'énormes profits. Les gouvernements locaux en Indonésie prévoient que les plantations s'étendront jusqu'à 20 millions d'hectares de plantations de palmiers à huile avant 2020, la plus grande augmentation du monde. La plupart des terres destinées à l'expansion des palmiers à huile sont aussi des terres sur lesquelles des tribus indigènes ont vécu et travaillé depuis des temps immémoriaux. Il m'a demandé si j'avais un acte de propriété et je lui ai répondu que chaque arbre fruitier est un certificat en lui-même. Chaque arbre de Tengkawang, chaque EVA constitue un certificat. Je suis un indigène d'ici. Mes ancêtres protégeaient et défendaient cette terre, et on fera pareil. Je ne veux pas que des étrangers nous dérangent. On ne permettra à aucune entreprise d'établir des plantations sur nos terres. Les communautés sont sûres de leurs droits à la terre. La constitution indonésienne reconnaît les droits coutumiers sur la terre. Cependant, les lois existantes n'assurent pas une protection adéquate aux droits des communautés à la terre. Plutôt, elles renforcent les droits de l'État sur la terre. Le gouvernement peut donc concéder des permis aux compagnies qui souhaitent installer de nouvelles palmeraies. Les compagnies doivent donc convaincre les communautés de renoncer à toute revendication sur la terre afin d'éviter tout problème dans le futur. Les compagnies persuadent les communautés en payant les leaders locaux ou en promettant des emplois et des parcelles qu'elles ne fournissent pas toujours. Les compagnies disent aux communautés que la terre reviendra aux propriétaires après que le permis expire. Ils ont dit qu'ils nous paieraient une compensation pour la terre. Ils ont dit que si les palmiers à huile échouaient, ils rendaient la terre aux propriétaires. Ils m'emprunteraient la terre que pendant 25 ans. C'est ce que la compagnie de palmiers à huile nous a dit. Cependant, quand les compagnies disent que la terre va être rendue aux propriétaires, ce qu'ils veulent dire, c'est que la terre sera rendue à l'État, pas aux communautés. C'est l'une des façons par lesquelles ils se font escroquer au cours du processus. Ils s'imaginent que l'entreprise n'a qu'un bail de durée assez courte. Mais en réalité, selon le nouveau code de la plantation, ils peuvent conserver le bail jusqu'à 120 ans. D'ailleurs, à l'expiration du bail, la terre est rendue à l'État et ne revient pas à la communauté. Ces mesures entraînent un changement important dans la distribution des terres. Le modèle actuel de distribution des terres a été établi pendant la période coloniale, quand les autorités coloniales ont créé des plantations à grande échelle, qui n'étaient pas équilibrées du tout. En conséquence, une famille de cultivateurs javanais moyenne contrôle environ un quart d'hectare de terre,
alors que les compagnies à Java contrôlent en moyenne 1000 hectares. Les politiques du gouvernement concernant les plantations à grande échelle ouvrent la voie à des évolutions similaires dans plusieurs endroits d'Indonésie. Cette politique génère aussi des conflits sur les droits à la terre. En ce moment, on estime à 660 les conflits liés à la terre concernant uniquement l'expansion des plantations de palmiers à huile. Autrefois, toute cette terre appartenait à la communauté. Elle a été saisie. Deux hommes ont été tués en défendant cette terre. Ils ont été kidnappés et tués seulement parce qu'ils voulaient défendre cette terre. On ne sait pas qui les a tués et personne n'a jamais fait d'enquête là-dessus. Les conflits se produisent quand les communautés sont divisées. Les conflits surgissent quand les compagnies et les forces de sécurité tentent d'intimider les communautés qui défendent leurs terres. Ces derniers temps, la plupart de ces conflits sont profondément enracinés dans les politiques foncières que beaucoup de gens considèrent comme favorables au profit des compagnies et non aux droits de communauté. Ils nous ont dit que la terre appartenait à l'État et qu'on devait la rendre. Ils parlaient des droits de l'État, mais pas de nos droits. Peu importe si c'était la terre qu'on cultivait, sur laquelle on construisait nos maisons ou nos potagers, c'était la terre de l'État et ils allaient la prendre. Ils ont menacé de nous mettre tous en prison si nous nous y opposions. On s'est senti impuissants et on avait peur des uniformes verts et jaunes. Alors, on a baissé les bras. Mais j'ai demandé, que nous arrivera-t-il à nous qui habitons ici si on convertit toute cette terre en plantation ? Les plantations de palmiers à huile sont présentées comme la voie du développement. Mais le développement peut aussi se faire d'autres façons. Nous qui n'avons pas cédé nos terres à la compagnie, la plupart d'entre nous avons des motos. Ça ne vient pas de la vente de la terre, mais de nos revenus provenant de l'exploitation de la terre. On n'a pas besoin de tirer notre richesse de la vente de terre. Nous, on reçoit notre revenu de notre propre travail. Avec ça, on peut acheter des motos, des voitures. Donc, on n'a pas perdu notre terre. Parce qu'on pense que dans notre village, la population continue à augmenter avec le temps et les terres sont déjà limitées. Ça serait pire si on cédait nos terres à la compagnie. C'est pourquoi on ne veut pas le faire. Les communautés doivent réfléchir aux nombreuses conséquences des plantations de palmiers à huile sur l'économie locale, les systèmes d'exploitation, l'eau, la culture et les droits sur la terre. La deuxième partie de ce film donne des exemples de modèles de développement économique menés par les communautés elles-mêmes. Elle présente aussi les étapes qu'une communauté peut suivre pour prendre la décision d'accepter ou de rejeter les palmiers à huile.